Bonjour à toutes et à tous. Alors, il semblerait que vous êtes nombreuses et nombreux à nous regarder ce soir. Alors, ce soir, c'est maintenant notre troisième cours vidéo qu'on organise depuis le début de cette période un peu spéciale. Et nous, on en a profité pour vous organiser des cours vidéo. Alors, on a fait toute une installation. On est un peu chacun dans notre coin, puisque donc ce cours, je vous le présente. Mais évidemment, c'est un cours qui va être donné par Christine Charles, donc qui est professeure de couture sur Artesane. Et voilà. Salut Christine. Donc, il y a moi, et puis il y a aussi notre réalisateur avec qui on a monté tout cet ensemble, Alban, qui lui est dans le sud de la France. Donc, ce que vous allez voir ce soir, ça correspond un petit peu aux moyens techniques qu'on a mis en place, qui sont parfois qui sont propres aux conditions qu'on a actuellement. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est, toi, de ton côté, Christine, si tu as une tablette au-dessus de la tête, un ordinateur dans un coin. Alors, moi, c'est l'ordinateur qui est en face de moi. Mais c'est vrai que vous allez voir ce que vous allez voir, les démonstrations que vous allez voir ce soir reflètent pas forcément tout ce que les cours vidéo artisanes, et c'est aussi pour ça que notre cours vidéo de ce soir, donc il va tourner autour du crantage et du dégarnissage en couture, donc va être en trois parties. Une première partie où Christine, donc professeur de couture sur Artesane et qui fait les cours techniques de couture et mais aussi les cours qui tournent autour du CAP que vous connaissez bien, va d'abord introduire le sujet et montrer à quel moment on a besoin de cranter, de dégarnir, quelles sont les conditions et voilà. Dans une seconde partie, vous allez voir un extrait du cours vidéo Mille et une techniques. Donc, Mille et une techniques de couture, pour vous resituer, il s'agit d'un cours vidéo en trois parties où vous apprenez toutes les bonnes pratiques et en couture pour avoir de définitions parfaites, définitions professionnelles et connaître tous les bons gestes. Donc, vous allez voir comme ça un extrait de ce cours-là. Que vous dire de plus? Eh bien, je pense que Christine, tu vas pouvoir commencer à nous parler du sujet et introduire le sujet, puisque vous avez toutes très envie de savoir ce qui se cache derrière le crantage et le dégarnissage. Merci Marie-Gabrielle. Bah, écoutez, déjà, moi, je suis ravie de vous retrouver à distance. Il y en a beaucoup, je sais, qui me suivent, sont tristes qu'on ne puisse pas avoir nos cours présentiels. Donc, un petit succès d'année de cours ce soir pour qu'on puisse se voir à distance. En tout cas, vous me voyez. Bon, moi, je suis très triste de ne pas pouvoir vous voir. Mais voilà, on a mis en place effectivement des moyens. Bravo Alban, parce que c'est vrai que vous ne voyez peut-être pas tout, mais moi, j'ai deux PC, une pieuvre, une caméra au-dessus. Enfin, on a fait avec les moyens qu'on avait, mais je pense qu'on a quand même un bon petit rendu. Même si d'habitude, on a plutôt 4 ou 5 caméras, je crois, Alban. Là, c'est vrai qu'on en a moins, mais on va essayer de faire avec les moyens dont on dispose, quelque chose de qualité comme d'habitude. Ce soir, c'est vrai que lorsqu'on a préparé cette masterclass avec Louise, Anne-Sara, on s'est dit quel pouvait être le sujet qui pouvait vous intéresser. Et je me suis dit, il faudrait que je trouve un sujet qui pouvait intéresser à la fois les élèves loisirs et puis les élèves qui, je sais, essaye quand même de se motiver à préparer le CAP. Si vous avez des questions, on pourra y revenir à la fin dans la partie questions, même si je vous dis tout de suite que je n'ai pas beaucoup d'informations quant à l'épreuve du CAP elle-même. Je pense qu'il est encore un peu tôt.
Bref, l'idée, c'était de trouver un sujet qui puisse être d'actualité et puis qui se rapproche peut-être de ce qu'on a à traiter ce mois-ci pour ceux qui suivent le programme du livre du CAP, pourquoi pas, même si c'est que pour votre loisir. Alors, l'objectif, c'était de revenir sur le crantage et le dégarnissage. C'est des moments où vous avez toujours, même au bout de quelques années d'expérience, des difficultés à obtenir des jolis arrondis qui frise pas, dont les parties intérieures et extérieures ne ressortent pas, que ces arrondis soient dans ce sens-là ou qu'ils soient dans ce sens-là. Hein. On est d'accord qu'on n'a pas le même arrondi. Enfin, on a le même arrondi, mais pas dans le même sens. Et puis que quelquefois aussi revenir sur comment on fait pour dégarnir aussi un angle, tout simplement, pour qu'une fois que l'angle soit retourné, on ait un joli angle. Hein, puisque là, l'idée, c'est que quand on le retourne, on ait quelque chose de joli. Voilà. Et vous verrez dans la vidéo, même si là je ne vais pas revenir dessus, aussi comment on dégarnit lorsqu'on a ici, par exemple, avec un petit col, mini-col, de multiples épaisseurs à l'intérieur, là. Et comment on fait pour que on ne se retrouve pas avec des gestions d'épaisseur un petit peu importantes. Alors, je vous ai préparé dans ma garde-robe des petites choses. Alors, je suis désolée, je vais bouger un peu. Donc là, connaîtrez peut-être la robe Catalina du mois de mars. Alors, nous sommes encore en mars, donc je peux encore vous en parler. La robe Catalina, où vous avez justement une encolure et des emmanchures à bien cranter, de sorte à ce que votre doublure ne revienne pas et ne sorte pas sur l'extérieur. Donc, il va falloir trouver la bonne technique pour bien cranter et pour autant, attention, obtenir quand même quelque chose qui reste bien arrondi, qui ne fasse pas des espèces de segments. On y reviendra dans le cours vidéo, ça vous verrez que c'est très très clair. Après, en fait, je vous ai pris cette robe-là, alors pour une raison toute bête, c'est que en fait, sa doublure est un petit peu transparente. Alors, on va essayer de voir à la caméra du dessus, Alban, si tu veux bien. Voilà, par transparence, en fait, on voit très très bien que, il y a des petits triangles qui apparaissent ici pour donner du jeu. Et on va voir justement cette technique. Voilà. Et que donc, c'est grâce à ça que la forme de l'emmanchure est tout à fait correcte. Et puis, quand on va un cran au-delà, au niveau technique, vous avez, il y a eu toute cette mode des festons sur pas mal de modèles. Alors, je ne sais plus, excuse-moi, Marie-Gabrielle, je ne connais plus le nom du modèle. Que vous avez fait de blouse avec feston, mais voilà, le principe, c'est que quand on a des formes comme ça qui sont en creux et en bosse, hein, le principe, c'est qu'en fait, on a une succession de concaves et convexes. Et en fait, on passe son temps à cranter dans un sens et dans l'autre. Donc là, bon, moi, je m'étais amusée avec ce tissu avec des hexagones à faire des creux et des bosses. Et en fait, si on veut avoir quelque chose avec une forme impeccable, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on le met comme ça, on a quelque chose de correct, il faut cranter correctement les creux et les bosses en permanence. Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, là, moi, j'étais en train de faire cette veste-là, ça tombait bien pour ce soir. Et si, en fait, vous regardez ce qui se passe, si vous ne faites rien, en fait, vous avez ça. Alors, vous voyez, là, j'ai la veste. Bon, elle est gancée, j'ai la parementure, la doublure n'est pas encore posée. Mais vous voyez, en fait, ma parementure d'encolure, elle ne veut pas rester à sa place. Si je la pose comme ça, hop, elle repart. Alors ça, c'est parce que ici, si je ne crampe pas, il ne se passera rien, ça ne voudra jamais se mettre à sa place. Et là, c'est l'inverse. J'ai une forme arrondie, là. Enfin, j'aimerais bien que ça fasse une forme arrondie. En tout cas, je peux vous dire que mon patron est arrondi et que si vous regardez la couture sur l'envers, j'ai un joli arrondi. Mais alors, j'ai beau essayer de triturer mon truc dans tous les sens, il n'y a pas moyen. Mon arrondi, il ne veut pas se mettre en place. Ça reste très moche. Et alors là, je vous déconseille de repasser dans cette étape-là parce que vous allez vous retrouver avec trois gros segments au lieu d'une jolie arrondie. Quelque chose de absolument pas beau. Donc ça, je sais que ça vous arrive régulièrement. Le truc, c'est que vous savez qu'il faut cranter. Souvent, vous le savez qu'il faut jouer des ciseaux. On va revenir sur les outils qu'il faut. Mais vous ne savez pas forcément s'il faut faire des incisions ou des triangles. Donc on va y revenir aussi, c'est l'objet de l'extrait vidéo qu'on vous a sélectionné pour ce soir.
Et puis, bah, comment s'y prendre pour que ça aille bien? La seule chose qu'il faut faire attention, c'est surtout pas couper sa couture. Ça, en général, vous avez l'habitude. C'est le seul risque que vous avez des fois expérimenté. Alors, de quoi on a besoin? Donc, pour faire ces essais, bah, évidemment, il faut que vous ayez un moment pour vous entraîner une couture courbe. Je vais la remettre à l'envers comme ça sur le mannequin, juste pour gagner du temps. Donc, vous avez besoin d'avoir à un moment donné bah, un assemblage en courbe. Comme ça, qu'il soit dans ce sens-là ou enfin ou et parce qu'il faut travailler les deux et un assemblage en courbe comme ça. Donc en fait c'est les deux mêmes pièces de tissu, un avec un creux et l'autre avec une bosse. Hein, donc convexe et concave, concave et convexe. Pardon, si je vous dis l'inverse, ça va pas aller. Et pour travailler, bah, vous allez avoir besoin d'outils de torture. Alors je vous présente mes petits outils. Donc là, c'est après au choix. Alors, je sais qu'on est en confinement, que vous n'allez peut-être pas forcément des bons ciseaux. Donc, essayez quand même de trouver des ciseaux qui coupent bien. L'idée, c'est qu'il faut des ciseaux qui coupent jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut vraiment jusqu'à la dernière extrémité du ciseau, ça vous fasse une entaille bien, bien nette. Voilà, je ne sais pas si on voit très clairement sur le fond là. Et donc, bah, moi, en fait, j'en ai plusieurs. Donc, ceux-là, je les aime bien parce qu'ils sont très, très précis. Les petits ciseaux Fiskars, ils sont géniaux parce que alors, eux, c'est des vraies lames de rasoir, c'est-à-dire qu'eux, ils coupent dans n'importe quoi. Et puis, dans des tissus un peu plus épais pour protéger ces lames-là, parce qu'au bout d'un moment, malheureusement, ça s'émousse un peu. J'ai mes un peu plus gros ciseaux, je crois que c'est des ciseaux Singer, je crois, qui coupent aussi pas mal, mais voilà, que j'utilise plutôt pour cranter dans des tissus un peu plus lourds. Donc, vous n'êtes pas obligé d'en avoir trois, hein, c'est pas parce que j'en présente trois qu'il faut en avoir trois. Mais c'est vrai que bah, si vous avez moyen de vous procurer ceux-là, franchement, je les recommande parce qu'ils sont vraiment, vraiment chouettes. Et donc, il faut quand même des ciseaux qui, de toute façon, à partir du moment où ils ne coupent plus jusqu'au bout, vous laissez tomber, ce n'est plus des ciseaux pour cranter, vous les utilisez à autre chose, à couper les fils, mais plus à cranter. Et conservez-les, pardon, vraiment uniquement pour cranter. Moi, c'est des ciseaux qui servent qu'à ça, hein, ils ne coupent rien d'autre que ça. Voilà pour ben, cette introduction. Pour qu'on ait une très bonne qualité de cours, ben, on va vous laisser avec l'extrait vidéo qu'on a sélectionné, qui encore une fois est un extrait du cours Mille et une techniques de couture niveau 1, qui comporte plein d'autres techniques, plein d'autres idées, et qui comporte aussi deux autres volets, le niveau 2 et le niveau 3. Là, c'est vraiment un extrait sur le dégarnissage et le crantage. Et je vous retrouve, ben, je crois que l'extrait dure à peu près 25 minutes de mémoire, et on se retrouve juste après pour vous répondre à toutes vos questions, qu'elles aient un lien avec le cours ou même sur des sujets plus larges de couture. N'hésitez pas, je suis là pour ça, je suis là avec grand plaisir et Marie-Gabrielle va nous donner la réplique pour qu'on réponde au plus de questions possibles. À tout à l'heure! Cette nouvelle partie, c'est le crantage, le dégarnissage, vaste sujet où souvent, même après plusieurs années de couture, j'ai encore des personnes qui me posent des questions. Christine, comment je dois cranter? Est-ce qu'il faut que je dégarnisse? Alors qu'en fait, il y a une logique très très simple qui permet de savoir quand est-ce qu'il faut cranter déjà. Et puis, il y a des petites logiques classiques de savoir qu'est-ce qu'il faut dégarnir, quoi. Alors déjà, cranter et dégarnir, l'objectif, ça se fait souvent ensemble. Dégarnir, c'est enlever de la matière, c'est enlever du tissu dans les marges de couture pour finalement permettre qu'une fois que la couture est faite, au niveau du repassage, ça se passe bien ou la mise en forme de la pièce se passe bien. Cranter, c'est entailler les marges de couture. Et quelquefois, on fait l'un, on fait l'autre ou on fait les deux, suivant l'état de la situation. Alors, ça n'a d'objet que lorsque on n'est pas sur une couture droite. Je vais reprendre mes coutures de tout à l'heure. Là, je suis sur une couture droite, hein, donc on a vu que c'est celle que j'ai reprise. Bien évidemment, la marge de couture se place bien comme il faut à plat. J'ai pas lieu ni de cranter ni de dégarnir si j'ai coupé avec la bonne marge de couture au départ. Évidemment, je peux envisager de légèrement recouper ma marge de couture ici, donc dégarnir ma marge de couture si je le souhaite. Mais normalement, si vous avez coupé avec une marge de couture pas trop large, il n'y a pas lieu de le faire et donc il n'y a pas lieu de perdre du temps avec ça.
Donc on va le faire uniquement quand on est sur des assemblages un peu spécifiques. Alors, les assemblages les plus classiques où il faut envisager de dégarnir et de, surtout de cranter, on va voir s'il faut dégarnir ou pas, c'est des assemblages de type rond comme ça et des assemblages de type rond comme ça. Alors, en fait, je vous appelle ça concave et convexe. Alors, ça va vous rappeler des petits souvenirs d'école primaire, je pense. Alors, concave, c'est que ça forme une cave, donc on va être sous cette forme-là. Et convexe, c'est que c'est arrondi dans l'autre sens. Je dirais, peu importe, regardez la vidéo et notez bien, mais vous allez vite comprendre qu'on n'a pas besoin de savoir le vocabulaire associé. L'idée, c'est surtout de comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, si je prends déjà cette couture arrondie, dans ce sens-là où finalement la marge de couture est à l'extérieur et toute ma pièce est à l'intérieur, d'accord ? Et donc je vais me retrouver à l'extérieur de l'arrondi vers l'extérieur. Si vous regardez, en fait là j'ai ma couture qui fait une certaine longueur de là à là et vous pourriez mesurer finalement ce qu'il y a comme longueur à l'extérieur ici. La marge de couture est plus longue que la longueur de la ligne de couture. Qu'est-ce qui se passe du coup si je retourne, hein, si je vais retourner cette pièce? Donc imaginons là par exemple, je suis sur, alors quelque chose d'agrandi, mais je suis sur un arrondi du bas d'une poche par exemple. Alors, très gros arrondi, très grosse base de bas de poche, mais de très gros bas de poche, mais bon, ça, c'est assez représentatif. Donc là en fait, tout ce bord extérieur qui est déjà très long et plus long que ma marge de couture, quand je vais retourner ma pièce, va vouloir rentrer à l'intérieur. C'est-à-dire que par rapport à ma ligne de couture qui n'est même pas encore marquée là, finalement, le bord extérieur que je vous ai montré va se retrouver ici à l'intérieur, encore plus à l'intérieur. Donc si c'est 1 cm, ça va être 1 cm encore plus à l'intérieur. Donc si je reviens sur l'envers, vous allez avoir finalement ce bord extérieur qui va chercher à venir se placer ici, 1 cm à l'intérieur. Donc encore plus court. Donc finalement, ce qui se passe, c'est que là, j'ai finalement trop de tissu pour aller se placer ici. D'accord ? Donc là, j'ai trop de tissu. OK. Donc trop de tissu égale on dégarnit, c'est-à-dire qu'on enlève de la matière. Hein. Alors qu'à l'inverse, dans une encolure, par exemple, là, je suis sur un type d'assemblage qui pourrait être, par exemple, une parementure d'encolure sur une encolure. Eh bien, en fait, quand je vais avoir le même principe, c'est que là, j'ai une ligne de couture. Et le bord du tissu, il est plus court. Il est beaucoup plus court. Là, vous pourriez mesurer, hein, il est plus court. Et en fait, ce bord de tissu plus court, au contraire, quand je vais retourner ma parementure pour essayer de former mon encolure, le bord de tissu va vouloir aller se placer ici, encore plus bas que ma ligne de couture. C'est-à-dire qu'il va vouloir aller se placer ici. Donc, il va avoir besoin de prendre un grand chemin, encore plus long que ma couture. Et vous voyez que du coup, bah, lui, il va tirer parce qu'il dit ah, « je voudrais bien prendre le chemin, mais je n'ai pas assez de jeu pour y arriver, donc je gondole et je n'y arrive pas, etc. » Et lui, il va me dire « ah, mais je voudrais bien me placer, mais finalement, on est trop nombreux là-dedans. Là. » Et donc, je fais des plis. Hein, je ne sais pas si on voit les plis à la caméra, mais là, je peux vous dire que je sens des plis. Je fais des faux plis parce qu'il y a un moment, je n'ai pas la place. Quoi. Il y a trop de monde là-dedans. Voilà, donc l'idée, c'est surtout de réfléchir à quand je vais retourner ma couture, est-ce qu'il y a trop de monde ou est-ce qu'au contraire, j'ai pas assez de longueur. Alors, si j'ai pas assez de longueur, c'est facile, il faut que je donne du jeu. Donc, je crante. Alors, vous pouvez cranter soit comme je fais là, c'est-à-dire vous allez jusqu'à 1 mm ou quelques demi-millimètres de votre couture. Et vous crantez régulièrement. L'idée, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règle, mais plus c'est arrondi, plus il faut cranter proche les uns des autres. D'accord ? Ou pour avoir un rendu plus joli, alors ce côté-là, je vais vous le cranter comme ça. Je ne sais pas si ce sera très visible à la caméra, mais vous pourrez faire l'essai chez vous, vous verrez très visiblement la différence. Pour avoir un effet plus joli, vous allez pouvoir cranter ce que j'appelle en quinconce. C'est-à-dire, je crante une seule épaisseur. Là, vous voyez, j'ai cranté que l'épaisseur du dessus. Je crante que l'épaisseur du dessous. En alternance, donc un coup en dessous, un coup au-dessus, un coup en dessous, je vais me rapprocher là, voilà, je vais aller doucement sinon on va plus rien voir à la caméra, un coup en dessous, un coup au-dessus, je vais soulever, hein. Donc on a cranté ce que j'appelle en quinconce, c'est-à-dire un coup c'est l'épaisseur du dessus, un coup c'est l'épaisseur du dessous, et là je vois déjà que je peux ouvrir tout ça.
Mais je vois aussi que dans la zone centrale, là, ici, où j'ai pas cranté, vous voyez que le tissu, il a un peu de mal à se placer. Il a tendance à vouloir bâiller vers l'avant, là, alors que les autres, ils restent bien droits. Ça veut dire que j'ai pas assez cranté, ça. Donc, je continue à cranter. Bon, là, je vais continuer avec mon crantage classique. Et là, je vais aller faire un crantage en quinconce, ici. D'accord ? Et là, ça se place bien. OK ? Et du coup, quand je vais aller retourner ça, eh bien, je vais mon encolure qui va pouvoir se placer tout de suite bien mieux. Ce n'est pas forcément encore impeccable, mais bien mieux. Alors, quel était le côté qui était cranté en alternance ? Donc là, on avait ce côté-là cranté en alternance et l'autre côté cranté tous ensemble. Je ne suis pas sûre que ça se voit tant que ça. Enfin, moi, je le vois et je peux vous dire que dans certains tissus, c'est plus visible que dans d'autres. De ce côté-là, on va avoir un joli arrondi, bien régulier. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas les deux qui cassent au même endroit. En fait, c'est l'un qui casse, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre. Et donc, il y a toujours un des deux tissus qui oblige le bord à rester arrondi. Alors qu'ici, en fait, vous allez avoir une espèce de série de lignes brisées. C'est-à-dire que ça va aller comme ça, puis à chaque fois que vous avez cranté, ça va repartir avec un petit angle, etc. Et donc, vous allez avoir une encolure un tout petit peu moins jolie. Mais très honnêtement, si vous n'avez pas le temps, l'essentiel, c'est de cranter au moins les deux ensemble. Et si vous avez un peu plus de temps, mais c'est un peu plus long, de cranter en quinconce. En tout cas, le fait de cranter m'a permis de donner du jeu. Et finalement, de permettre à ce que le bord extérieur de mon bord de tissu ait assez de chemin à parcourir grâce à ces éclatements là, entre à chaque incision, pour aller pouvoir se mettre le long du chemin intérieur, là, celui où, à 1 cm qui était beaucoup plus long. Alors là, à l'inverse, on se souvient que dans ce cas-là, c'est que j'ai finalement, il y a trop de monde. Et bien c'est là, dans cette configuration-là, et uniquement dans cette configuration-là, que vous allez enlever de la matière. C'est-à-dire que là, on crante en dégarnissant, on enlève des triangles de matière. Donc pareil, je vais jusqu'à 1 mm de ma couture à peu près, voire un petit peu plus, ça dépend si le tissu s'éraille ou pas. Je peux pareil cranter les deux ensemble, ou, pardon, cranter et dégarnir les deux ensemble, ou dégarnir l'un, puis je vais chercher l'autre dessous. Alors c'est plus long, hein, on est d'accord, mais c'est plus joli. Donc tout dépend si vous avez envie d'y passer du temps. Voilà, et on continue. Un petit triangle en dessous. Je sais pas si je suis trop dans le champ de la caméra là. M'excuser auprès de la réalisatrice qui va me hurler dessus en me disant « Christine, je vois rien ». Voilà, je reviens dans le champ de la caméra. Donc un petit triangle au-dessus, un petit triangle en dessous. Donc c'est sûr que si vous le faites les deux ensemble, on est d'accord, c'est plus rapide. Je traîne une espèce de truc là. Voilà. Alors on va continuer. Bon, allez, j'ai la flemme. Je vais faire les deux en même temps. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est que chaque triangle, finalement, en rentrant à l'intérieur, va se resserrer et va éviter que le tissu se superpose d'une fois à l'autre. Alors, je pense que sur la zone en quinconce, j'aurais dû resserrer encore mes triangles. Hein. Je les ai pas fait assez serrés. Mais l'idée, c'est que du coup, grâce à ça, je vous le repasse juste comme ça avec les doigts. On verra le repassage tout à l'heure pour cette partie-là. L'idée, c'est grâce à ça, j'ai plus de zone où finalement les morceaux se superposent et font des faux plis à l'intérieur. J'ai vraiment finalement une marge de couture qui se replace bien à plat et qui arrive du coup à réduire son chemin pour épouser le chemin à l'intérieur là qui était plus court. Alors en conclusion, si j'ai un arrondi avec la marge de couture qui est plus longue que la ligne cousue, je crante en triangle pour enlever de la matière parce que ça va rentrer à l'intérieur. Si j'ai un arrondi qui, au contraire, le bord de tissu est trop court pour rentrer à l'intérieur et là pour prendre un chemin plus long, je crante juste en incisant de manière à pouvoir donner du jeu comme ceci et à permettre à ce que ça se place bien à plat. Ici, parce que de toute façon, si j'ai pas assez cranté, ça va tirer. Alors que là, si j'ai pas assez cranté, ça va se recroqueviller sur soi-même et faire des espèces de faux plis dans la marge de couture. D'accord ?
Et du coup, grâce à ces deux techniques, je n'ai pas besoin de poser de questions, enfin, il n'y a pas de questions à se poser. En fonction des deux configurations, c'est une solution ou l'autre. Alors, dans les deux cas de figure, par contre, vous pouvez vous dire que, effectivement, ces marges de couture que vous avez gardées, qui souvent dans l'industrie ne sont pas aussi larges que les autres marges de couture, c'est-à-dire souvent dans l'industrie, dans ces assemblages qu'on appelle coulissage pour les personnes qui préparent le CAP, on vous aura mis des marges de couture plutôt de 5 ou 7 mm et pas 1 cm, 1 cm et demi. Dans les patrons du commerce, souvent, on vous fait couper avec les mêmes marges de couture partout. Donc, n'hésitez pas à simplement venir dégarnir ici. Donc là, pour le coup, c'est juste un dégarnissage classique où on va enlever une partie de la marge de couture. Mais vous voyez, je dégarnis après avoir cranté parce que ce n'est pas nécessaire et parce que surtout, il est plus facile de cranter avec une grande marge de couture que j'ose aller jusqu'au bout, alors que là, pour bien viser, pour cranter juste sur la marge qui reste, je peux vous dire que ça prend plus de temps de le faire après que de le faire après avoir dégarni que de le faire avant. Donc d'abord vous crantez et ensuite, si besoin, vous dégarnissez. D'accord ? Et là, du coup, ça se place encore mieux parce qu'il n'y a pas toutes ces marges de couture qui nous gênent. Bien, mais encore une fois, ce n'est pas forcément indispensable, ça dépend aussi des épaisseurs, on va y revenir juste après. Pour suivre sur le dégarnissage, il y a aussi la problématique de dégarnir un angle. Là, j'ai enlevé ma petite étiquette d'étape. Donc j'ai piqué un angle qui arrive assez souvent, hein. J'ai simplement un angle à retourner. Alors là, on peut être par exemple sur le bas de... le bas d'une chemise, là, on serait sur le bas d'une patte de boutonnage de chemise. Donc j'ai piqué cet angle et donc qu'est-ce qui se passe? Alors c'est bien la toile parce que par transparence on voit bien. Qu'est-ce qui se passe? Ben en fait j'ai tout l'angle, là on voit la zone de piquage, je ne sais pas si on voit la caméra mais on va espérer. J'ai tout l'angle qui est là et finalement tout le tissu de l'angle qui essaie de se mettre dans cette zone-là. Donc finalement j'ai toute ma marge de couture de tout ça qui essaye de venir se loger dans ce petit espace qui est là. Donc finalement j'ai l'équivalent d'un carré ici, plus son petit copain là, plus celui-là. Donc, 1, 2, 3 carrés qui essayent de venir se mettre ici dans un seul carré. Donc, ça veut dire que j'ai 2, plus 2, plus 2, 6 épaisseurs de tissu qui veulent venir se loger là. Je peux vous dire que ça ne va pas vous faire un angle joli. C'est même pas la peine d'espérer. Alors, on va cranter. Et on va surtout dégarnir. Alors, cranter, pas forcément indispensable suivant les tissus, mais dégarnir, pardon, parce que je ne sais pas pourquoi je dis cranter, c'est vraiment dégarnir. On va aller couper déjà en diagonale en passant à presque 1 mm de la pointe, comme ça. D'accord ? Donc déjà, là, vous voyez, j'ai plus qu'un demi-carré plus un demi-carré, donc tout se passe bien. A priori, ces deux carrés vont pouvoir rentrer dans ma zone qui est là. Ça devrait mieux se passer. Il m'en reste encore un petit peu, donc je vais en enlever encore un peu. Donc une fois que vous avez coupé comme ça, à 45 degrés, là, pile en diagonale, vous recoupez un petit peu, chacun ici, pareil, en diagonale, comme ça. Voilà. Et du coup, avec ça, eh ben, quand vous allez retourner tout, eh ben, tout va bien se placer parce que tout ça va pouvoir rentrer dans cette zone-là. Alors, pour retourner un angle comme ça, une fois que vous avez dégarni, et seulement une fois que vous avez dégarni, je vous conseille d'aller mettre votre pouce ou n'importe quel doigt, si vous avez des petits doigts, c'est plus facile. Moi, en l'occurrence, je préfère aller mettre l'index et de pincer comme ça. Donc, soit vous mettez le pouce et vous pincez, soit vous mettez un doigt et vous pincez. Et vous pincez bien en pointant pile l'angle, comme ça. Déjà, ça va vous permettre que l'angle se retourne. Hop, et on retourne. D'accord ? Et là, on a retourné un gros bout. Ensuite, vous pincez votre angle comme ça, tout simplement, juste avec votre doigt, pour que déjà, il se forme bien. Et là, à cette étape, vous vérifiez que vous avez assez dégarni. C'est-à-dire que vous ne devez pas sentir de surépaisseur ici, ça doit bien se passer. Alors après, attention à ne pas prendre un outil trop pointu. Il existe dans le commerce des retourne-angles. Je crois que c'est Prime qui fait ça. Tout simplement, une baguette de bois que vous taillez dans un taille-crayon, donc une baguette d'un centimètre de diamètre, fait très bien l'affaire. Alors, vous ne la taillez pas à fond, hein, il faut quand même que ce ne soit pas perforant ici, juste un peu pointu. Et vous allez l'amener au bout et vous pouvez pousser du coup votre pointe d'angle tout doucement, hein, en l'aidant un petit peu comme ça. Alors, on verra dans les cours suivants qu'il existe d'autres techniques pour encore mieux réussir ces angles au niveau piquage, mais qui sont un petit peu plus compliqués à mettre en œuvre, qui dépendent des tissus. Là, c'est vraiment le minimum, je dirais, pour avoir un angle à peu près correct. À la toute fin, n'hésitez pas à prendre vos ongles et à
tirer un peu la queue du cochon, comme j'appelle ça, là. Hop là, voilà, et on pointe comme ça. Alors vous voyez, en fait, je ne suis pas dans l'axe de la couture, je prends mes deux coutures l'une sur l'autre et je les tire comme ça. Si vous avez pas, alors attention, si vous avez un peu trop dégarni, c'est à ce moment-là que ça s'éraille, c'est-à-dire que vous avez une petite effilochure qui sort et là, ça énerve un peu. Donc allez-y doucement quand même. Et après, si vous avez vraiment pas trop peur, prenez une pointe de ciseau pas trop trop pointue. Vous pouvez aussi pointer, hein. Mais ça fait le même effet que ma baguette de bois. Hein. Évitez quand même les ciseaux trop pointus comme les miens là. Ceux-là, vous avez vite fait quand même de faire un trou. Et alors une fois que vous avez fait un trou à cet endroit-là, c'est fini. Hein. On n'a plus rien à faire. Ou alors il faut remonter l'ourlet un peu plus haut. Je dis toujours en couture, il y a un moment quand on a fait un trou, on n'a plus beaucoup de solutions à part. Enfin, il n'y a pas de miracle, quoi. Il faut juste. C'est l'occasion souvent de faire des transformations inattendues, mais pas toujours souhaitées. Hein. Donc voilà, donc notre angle est comme ça. On verra tout à l'heure pour le repassage. J'ai encore une petite chose à vous dire par rapport au dégarnissage. Excusez-moi, j'avais oublié cette étape. Quelquefois, au niveau des garnissages, se pose la question du multi-épaisseur. Je vous montre. Là, je suis sur... Alors, je vous ai fait en version mini, un petit col. Je ne sais pas si vous voyez la forme d'un col, là. Bon, je n'ai pas coupé ici, mais il faut s'imaginer un pied de col, là, et puis le petit col, là. C'est mignon, ça fait comme un petit col pour une petite poupée. Et donc le col, donc col chemisier, j'ai mon col, et puis j'ai mon pied de col, là, et donc il se trouve que... Une fois que j'ai assemblé mon pied de col et mon col, je me retrouve ici avec un paquet d'épaisseurs. C'est-à-dire que j'ai une épaisseur, deux épaisseurs, trois épaisseurs, quatre épaisseurs. Bref, j'en ai quand même un bon morceau. Et l'idée, c'est que quand je vais retourner ma couture, même si j'avais déjà ici cranté, dégarni comme il fallait, ben en fait là, quand je vais repasser, je vais ici sur cette zone-là, sous le pied. Non, parce que ma couture, je ne sais pas si on la voit, mais la couture d'assemblage, elle est là. Et donc, sous la zone ici, là, j'ai quatre épaisseurs. Je vous les ai comptées. Plus celle du dessus et celle du dessous. Donc, au final, j'ai quand même six épaisseurs, là. Alors, ce qui se passe, c'est que là, j'en ai deux. Hein, j'ai mes deux cols. Là, je monte à six. Et là, j'en ai un nouveau deux. Donc, en fait, si je vous fais le profil, vous avez deux, six et deux. D'accord? Donc, en fait, ça... Là, on va passer brutalement de 6 épaisseurs à 2 sur une zone où vous êtes potentiellement amené à repasser, où il n'y a pas de couture, donc ça risque de marquer le tissu. L'idéal, c'est d'essayer de ne pas passer de 6 à 2 d'un coup comme ça, et donc d'y aller progressivement par marche d'escalier. Donc c'est ce principe des marches d'escalier qui est assez intéressant. L'idée, c'est que là, en fait, je vais essayer d'aller progressivement, de ne pas avoir toutes les marches de couture qui s'arrêtent au même endroit. Donc, alors ça, c'est vraiment une technique lorsqu'on a vraiment des tissus un peu épais. Hein, là, dans ma toile, ça ne nécessiterait pas forcément. Et donc, l'idée, c'est que les deux marges extérieures, je vais aller les recouper de moitié. Donc là, la marge du pied de col, en l'occurrence. Donc, celle du dessus, là, la première, la première des quatre, vous allez aller la recouper. Je vais prendre mes petits ciseaux, ça sera plus facile. Vous allez la recouper de moitié. D'accord. Bon. Je vais m'arrêter au milieu. Vous pouvez même la recouper un petit peu plus, là, en l'occurrence, pour que ce soit plus visible à la caméra. Je vais recouper un petit peu plus. Je vais juste faire cette zone-là. Vous voyez, on voit apparaître ma première marge de couture qui s'arrête là. Et là, c'est mon col, hein. C'est cette pièce-là qui apparaît ici en marge de couture. De l'autre côté, je vais faire pareil. Bon, je vais le faire que sur la zone du col parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. C'est sur cette zone-là que c'est intéressant de vous montrer. Sauf que je ne suis pas en train de le faire à la même extrémité, donc c'est un peu ballot. Voilà, je vais le faire du même côté pour que vous puissiez voir la différence. Donc, je recoupe pareil ma moitié de marge de couture. Bon, essayer de faire une coupe un peu plus propre que la mienne, peut-être. Et donc là, pareil, j'ai finalement ici recoupé de moitié. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que sur cette zone-là, sur les 2 mm qui sont là, j'ai 4 épaisseurs. Là, j'en ai plus que 2. D'accord? Donc, quand je vais retourner comme ça, mon col à sa place, avec son pied de col, ben, finalement, sur cette zone-là, je vais bien avoir... Alors, je monte bien de 2 à 6, mais là, il y a la couture d'assemblage du col, c'est normal. Par contre, ici, je suis à 6... Après, puis 4, puis 2. Et donc, quelque part, j'ai une pente toute douce qui apparaît, qui ne va pas marquer le tissu.
Alors qu'ici, j'ai une grosse marche d'escalier qui apparaît ici. Alors, on peut, je ne sais pas si ça va être très visible à la caméra, mais je peux vous dire que quand on va repasser, et si je suis un peu sévère au niveau du repassage, et dans des tissus qui marquent, bah, vous allez avoir ici, si je posais le fer là-bas, vous verriez mieux, vous allez avoir ici finalement une grosse marque qui va apparaître ici, parce qu'encore une fois, on passe de 6 à 2 épaisseurs, alors que là, ça va être beaucoup plus doux, beaucoup plus progressif. D'accord ? Donc n'hésitez pas à dégarnir en marche d'escalier, comme je vous ai montré, de manière à avoir finalement une transition entre vos zones épaisses et vos zones moins épaisses, beaucoup plus douce, qui marque moins au fer, notamment, et aussi qui est plus esthétique, tout simplement. Hein. Ce n'est pas qu'une histoire de repassage, cette affaire. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le crantage, le dégarnissage. J'espère que c'est plus clair pour vous, pour celles et ceux qui avaient encore des difficultés avec cette technique-là. Quand est-ce qu'on crante en incisant? Quand est-ce qu'on crante en triangle? Pourquoi on fait ça? Quand est-ce qu'il faut dégarnir ou pas? Et comment on dégarnit des angles pour les réussir? Et c'est un sujet, de toute façon, sur lequel on ira un peu plus avant dans les cours à venir. À tout de suite, on enchaîne sur une autre thématique. À tout de suite. Un sujet qui peut quelquefois poser problème, ou en tout cas sur lequel il y a souvent matière à accélérer le processus et à vous permettre. Et nous voilà de retour. Bien, je crois qu'on va passer aux questions. J'ai oublié de vous parler des outils. Je peux prendre la main 2 minutes? J'ai oublié de parler de 2 petits outils. Ma petite baguette de bois que vous avez vue dans la vidéo. Alors, je sais bien que c'est peut-être pas le moment d'aller en quincaillerie, mais bon, quand on pourra ressortir, vous irez vous acheter une petite baguette de bois toute bête dans un taille-crayon, ça marche très bien. Sinon, si vous avez une lime à ongles un peu pointue comme ça, ça marche aussi très bien pour les angles. Donc, voilà. Et sinon, bah, vraiment au pire, vous prenez la pointe de ciseau, mais allez-y vraiment doucement. Voilà, j'avais oublié cette partie-là. À nous pour les questions. Alors justement, Christine, tu es en train de parler d'outils, mais il y a plusieurs questions par rapport aux ciseaux. Ouais. Alors la première, ça concerne, ben, c'est une question de vocabulaire, puisque c'est vrai que ça peut porter à confusion. C'est sur les ciseaux cranteurs et cette étape hyper importante de crantage. Est-ce qu'on pourrait se passer finalement de découper comme ça ces petits V avec un ciseau, un petit ciseau, et plutôt utiliser le ciseau cranteur qui fait des V tout seul, on va dire. Donc voilà, je te laisse répondre. Alors, à cette question. On pourrait, mais honnêtement, ça serait moins précis parce que, encore une fois, quand on a cranté, l'objectif, c'est d'aller assez proche de la ligne de couture. Il faut bien maîtriser ces ciseaux cranteurs pour réussir à faire la même chose. Je crois que je peux vous en attraper là. Si je vais sortir du champ de la caméra, désolée, du live. Voilà, donc les ciseaux cranteurs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Donc, ce sont des ciseaux qui font des crans. C'est-à-dire que quand on va couper le bord du tissu, ça va faire, bon, je vais vous le couper en diagonale comme ça, ça va faire des espèces de crans. Alors, vous voyez qu'en fait, le principe, c'est que ça fait des tout petits crans. Donc, ça ne fait quand même pas du tout la même chose que ça. Et donc, si on... surjeter ou surfiler et ni faire un point zigzag de machine, juste ça évite que ça s'effiloche, parce qu'en fait le fait que ce soit en zigzag, alors bonsoir, ici c'est la régie, on vient de perdre en fait les connexions internet avec nos camarades qui se trouve en région parisienne. On va tenter très très vite de les retrouver. Je vous propose de alors je crois qu'on a retrouvé Marie-Gabrielle, voilà, qui est revenue. Marie-Gabrielle, salut.
J'ai repris un peu la main. On a eu une coupure internet du côté de chez Christine. Et je crois qu'il y avait beaucoup de, questions, hein, Marie-Gabrielle, qui arrivent sur Facebook et sur YouTube, où il y a énormément de monde qui regarde. Alors, tout à fait, vous êtes extrêmement nombreuses, presque, vous êtes presque 1000 à vous intéresser à cette technique et à connaître tous les secrets professionnels que Christine donne via ses cours depuis maintenant quelques années sur Artisan. Donc, on a pas mal de questions sur les tissus et les outils. Et j'espère que... Ah, Christine revient, tout va bien. On va pouvoir reprendre. On en était au ciseau cranteur. Oui. On va pouvoir revoir eh bien, ce que tu étais en train de nous montrer. Alors, à quel moment ça s'est arrêté, dis-moi, parce que j'avais l'impression de... Alors, tu étais en train de nous dire que finalement, les crans réalisés avec les ciseaux cranteurs sont extrêmement petits et tu allais nous faire la démonstration. D'accord. Alors, bon, entre-temps, je l'ai fait, mais vous ne l'avez pas vu. Je suis désolée pour la coupure. Donc là, tout simplement, vous avez ici quelque chose qui a été réalisé au ciseau cranteur. Donc, vous voyez, en fait, ça ne fait que des petits crans. L'objectif des ciseaux cranteurs, c'est plutôt de faire une finition de bord qui empêche que ça s'effiloche dans des tissus qui s'effilochent lorsqu'on est sur des bords qui ne seront plus visibles à la fin, par exemple l'intérieur d'une doublure ou ce genre de choses, et qu'on ne veut pas rajouter de surépaisseur avec un surfil à la surjeteuse. Très honnêtement, ça ne va pas remplacer mes grands triangles ici et surtout le fait que précisément, ils arrivent au bord ici, proche de la couture. Donc, peut-être qu'on peut y arriver, mais ça mériterait vraiment une bonne dextérité avec ces ciseaux qui sont en plus difficiles à prendre en main. Pourquoi pas tenter le coup, hein. Il y a peut-être une technique à inventer sur le sujet. Moi, je ne suis pas très convaincue par rapport à moi, ma difficulté à utiliser ces ciseaux. Alors, on a une question aussi sur une étape. Est-ce qu'il faudrait ouvrir la couture juste après avoir cranté? Avant même de retourner en fait les deux tissus envers contre envers, si je comprends effectivement bien. C'est une très bonne question. Effectivement, lorsque là on parlait pas de repassage dans cet extrait, puisque les sujets de repassage sont un peu plus tard dans le même cours, mais un peu plus tard. Si vous aviez effectivement à finir cette étape de retournement complet, donc d'une encolure, là typiquement c'est une doublure sur un vêtement, hein, un peu comme la robe que j'ai montrée tout à l'heure, eh bien il faudrait d'abord cranter et ensuite de préférence ouvrir la couture. Alors là, je vous le montre avec les ongles, mais il faudrait le faire au fer à repasser, mais bon, sachez que dans de la toile, leur passage à l'ongle marche très bien. Ouvrir la couture de manière à faciliter après le fait de la repasser fermée. Parce que là, en fait, ce que vous faites, c'est, vous ne le savez peut-être pas, enfin pour celles qui préparent le CAPC normalement, mais vous faites ce qu'on appelle une couture fermée. C'est-à-dire que vous êtes en train de rabattre complètement la pièce sur elle, enfin, les deux pièces l'une sur l'autre. Au début, c'était endroit contre endroit et là, envers contre envers. Et donc, c'est plus facile à faire lorsqu'on a d'abord ouvert la couture, ici, pour bien l'écraser ouverte et ensuite la rabattre. Donc oui, l'étape de repassage est même quasiment indispensable si on veut quelque chose de joli. Alors, en parlant d'étapes, on a une autre question. Cette fois-ci, c'est une étape sur le surjetage, pardon, ou surfilage. Quand on monte une tête de manche, il faut cranter pour avoir un bel arrondi. Est-ce qu'on peut surjeter par-dessus le crantage? Alors, quand on monte une tête de manche, on n'est pas du tout dans le cas qu'on a présenté. Là, justement, on ne va pas cranter. Désolée, mais là, on ne va pas cranter. Quand on monte une tête de manche, on ne va pas cranter. On va monter la manche sur son emmanchure sans la cranter, justement. Et par contre, on va utiliser des marges de couture assez petites pour ne pas avoir besoin de cranter. Mais justement, on ne va pas cranter l'emmanchure. On va la laisser telle qu'elle et on surjettera les deux épaisseurs, donc l'emmanchure et la tête de manche, ensemble une fois la manche montée. Alors là, ce que je vous dis, c'est la technique usuelle qu'on voit dans tous les assemblages CAP. Hein. Après, effectivement, dans des assemblages loisirs, vous pouvez voir d'autres techniques. Mais voilà, la bonne technique qu'on apprend en école de couture, c'est celle-ci.
Alors, si on revient un petit peu à la question précédente, c'est ça aussi qui est drôle, c'est qu'on a des questions dans tous les sens, donc j'essaye de coordonner le tout qui soit le plus logique possible. Est-ce qu'on va repasser avant de dégarnir ou le contraire? Alors, je pense que c'est avant de dégarnir cranté plutôt la question. Enfin, effectivement, là, la question se pose et j'ai souvent la remarque. Oui, mais Christine, une fois que j'ai cranté, c'est pénible d'aller repasser la couture ouverte parce qu'en fait, il faut se faufiler entre chaque petit morceau. Là, je ne sais pas si Alban peut zoomer, mais voilà. On a repassé un petit morceau, il faut aller au suivant, etc. Alors, c'est là que vous comprenez que le fait de couper en quinconce a aussi un intérêt. Alors, effectivement, il vaut mieux cranter et repasser ensuite. Parce que du coup, ça ne va pas tirer. Mais c'est un peu plus long parce que bah, forcément, vous avez ces petits morceaux et donc vous allez pouvoir repasser là. Puis là, il va falloir se faufiler au fer à repasser pour aller là, etc. et enchaîner. Mais l'arrondi est plus joli. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas cranté, que vous cherchez déjà à repasser, en fait, vous allez être au bout de votre jeannette. Et la seule manière de ne pas faire de faux plis, c'est d'avancer petit à petit comme ça. Pareil, il faudrait que j'ai une couture arrondie non encore des voilà. Je vais vous prendre celle-ci. Donc, c'est une couture arrondie non encore crantée. Et donc, il faut ouvrir la couture sur la jeannette. Et donc, désolé pour les moyens du bord, mais voilà. Et se faufiler sans risquer de faire des faux plis ni à droite ni à gauche. Et en fait, comme ce n'est pas encore cranté, c'est compliqué. Donc, vaut mieux repasser après, mais c'est un peu plus long. Donc, voilà, à vous de faire votre choix entre les faux plis et le temps à y passer. Alors, on a plusieurs questions qui tournent autour de la même problématique. Finalement, c'est tout ce qui est effilochage, notamment avec tous les tissus qui s'effilochent, qui ont des trames très lâches. C'est est-ce qu'il y a des astuces, des techniques pour ne pas avoir ce problème de défilochage quand à la fin on retourne et ne pas cranter, ne pas que la couture lâche finalement parce qu'on irait trop proche en crantant le tissu. Ah, d'accord. Alors, il y a plusieurs, alors ça dépend vraiment des cas de figure, il y a plusieurs possibilités. Déjà, des tissus très lâches, il y a quand même souvent une des deux épaisseurs qui est entoilée. Hein, quand on parle par exemple d'une parementure d'encolure, la parementure sera entoilée. Donc évidemment, du coup, ça va lui donner de la tenue et ça va éviter que justement la couture s'éraille. Par contre, il faut savoir effectivement de manière plus globale que plus le tissu a une trame lâche, c'est-à-dire qu'il y a un espace important entre chacun des fils de chaîne et chacun des fils de trame. Hein. Une trame lâche, c'est quand on voit du jour au travers, hein, tout simplement. Plus le tissu a une trame lâche, plus il faut cranter en s'arrêtant loin de la couture. Parce que si vous vous rapprochez, en fait, il ne va plus rester qu'un fil et c'est ce fil-là qui va lâcher au lavage suivant, au nettoyage suivant. Donc, il faut, on dit toujours qu'il faut s'arrêter à 2-3 fils de la couture. Et évidemment, 2-3 fils, ça dépend de la taille de la trame et si la trame est lâche ou pas, quoi. Donc, il faut adapter aussi la profondeur de son crantage par rapport au tissu. Surtout, donc c'est ces deux notions de s'il y a une pièce entoilée, déjà ça se passe mieux, et si effectivement on a une trame lâche, il faut pas cranter trop trop sévère en termes de profondeur. Alors, on a une question aussi par rapport au tissu fin. Est-ce qu'il peut y avoir un intérêt à ne dégarnir qu'une seule des deux épaisseurs? Notamment pour que ça marque moins lorsqu'on utilise des tissus fins. Donc, est-ce que tu... laisse répondre à ça. Oui, ça peut avoir un intérêt, je pense. je pense, par exemple, à de la soie lavée, donc de la soie très, très fine et très lisse. Effectivement, donc ça c'est un tissu très fin et qui marque beaucoup au fer. Et donc toujours cette idée que vous voyez, que vous avez vu dans la vidéo là, de ce nombre d'épaisseurs en marche d'escalier. En fait, effectivement, n'importe quel assemblage, vous allez passer de 2 à 4 puis 2 épaisseurs, même sans parler ici des 6 épaisseurs du col. Et donc on peut avoir un intérêt à échelonner et donc à ne dégarnir
donc vraiment recouper que une des deux marches de couture, tout à fait pour créer cet échelonnement petit à petit et que notamment au repassage, ça ne marque, enfin ça marque moins sur l'endroit, même s'il faut quand même rester faire attention au repassage, ça reste indéniable, mais voilà. Oui, effectivement. Une autre question par rapport à une potentielle piqûre nervure. Est-ce que lorsqu'on coupe si près, une piqûre nervure serait obligatoire pour éviter que la couture ne s'éraille avec le temps? Non, parce que non, il y a alors je pense que on est bien d'accord que c'est une surpiqûre nervure. Je vais expliquer pour tout le monde ce que c'est parce que tout le monde ne sait pas forcément ce terme-là. Une surpiqûre nervure, c'est une surpiqûre qu'on viendrait faire au bord ici à 1 mm. Je vais vous la dessiner avec un feutre friction. C'est-à-dire que là, en fait, on viendrait ici à la machine faire une piqûre à 1 ou 2 mm du bord, comme ceci. Donc, pourquoi pas, mais c'est un élément décoratif dont on n'a pas forcément envie, tout simplement. Donc, c'est sûr que ça va mieux tenir le bord. Donc, on revient au tissu lâche. Là, pour le coup, ça peut être une bonne solution pour éviter les éraillements dans les tissus lâches. Mais sinon, dans l'absolu, ce n'est pas du tout nécessaire. Si je reprends la robe Catalina là, que je vous ai montrée tout à l'heure, là, il n'y a pas du tout de surpiqûre nervure de préconiser. Pourtant, c'est un tissu qui s'éraille beaucoup puisque c'est du crêpe. Donc, c'est quand même un tissu qui s'éraille pas assez facilement. Mais voilà, il suffit d'adapter encore une fois la profondeur de son crantage pour éviter cette problématique-là. Alors, au début, vous ne savez pas forcément trop l'adapter. Bon, on fait l'erreur 2-3 fois et puis après, on ne se fait plus avoir. Hein. Malheureusement, il faut faire un petit peu d'essais. Donc, n'hésitez pas. Vous avez toujours des chutes de tissu dans lesquelles vous pouvez faire des essais avant de vous lancer sur le vêtement principal. Donc, il ne faut pas hésiter à recréer le même arrondi dans une chute de tissu, tester le crantage et voir si ça tient. Vous tirez un peu, hein. Vous retournez et puis là… Vous le soumettez à un petit peu de tension comme ça et voyez s'il y a un éraillement qui apparaît ou pas, hein, tout simplement. Donc, faites des tests. Hein, de toute façon, dans l'industrie vestimentaire, avant de se lancer sur une grande série, c'est ce qu'ils font. Donc, le problème, c'est qu'on fait que des mono-utilisations d'un tissu. Donc, souvent, on ne prend pas le temps de faire ces tests-là, mais ça vaut le coup de les tester. Une question sur les tissus fins encore. Est-ce qu'on peut faire une piqûre de soutien sur les parementures lorsqu'on est dans le cadre de l'utilisation de tissus très fins? Oui, alors je vais expliquer ce qu'est une piqûre de soutien. Mais oui, on peut, tout à fait. Alors, imaginons que là, on ait la parementure, donc ça serait recoupé. Évidemment, ça ne ferait pas aussi large. Une piqûre de soutien, en fait… va consister à aller faire une pré-piqûre dans la marche de couture à 1 mm de l'endroit où apparaîtra la couture définitive, c'est-à-dire ici très légèrement dans la marche de couture. Alors, l'intérêt est plutôt d'éviter les déformations de l'encolure. Donc là, je vous ramène à d'autres techniques de couture dont on ne pourra pas parler tout ce soir. Mais effectivement, en fait, grâce à cette piqûre-là, vous n'allez cranter que jusqu'à cette couture-là et pas jusqu'à la couture rouge. Donc, vous allez cranter que jusqu'à la ligne bleue. Et donc, mécaniquement, ça va vous protéger des éraillements dans les tissus fins. Oui, tout à fait. Tout en plus, vous soutenant la forme de l'encolure et évitant qu'elle se déforme au montage. Alors, est-ce que j'ai une question sur un crantage qui aurait été pas tout à fait bien effectué, qui aurait été peu cranté, et est-ce que ce serait une encolure qui baille, ça pourrait être le signe d'un crantage pas assez bien fait? Ou oh, ça oui, n'a rien tout à voir en termes de rendement? Alors, ça, il faudrait voir l'encolure qui baille, là, je suis désolée, mais là, comme ça, ce serait compliqué. Mais ce n'est pas vraiment l'encolure qui baille au sens, qu'elle part vers l'avant, c'est plutôt que l'intérieur a envie de ressortir. Encore une fois, hein, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur ma parementure de la veste, là, que j'ai remis, mais que je vais ressortir. J'ai un fil qui s'est accroché. C'est qu'en fait, on peut l'utiliser comme ça. Hein. Si je le mets devant moi, c'est le même principe. C'est qu'en fait, j'ai la parementure qui a envie de ressortir, voilà, qui veut ressortir vers l'extérieur. Et du coup,
mécaniquement, la ligne d'encolure là baillerait vers l'avant, effectivement, en donnant l'impression que le tissu intérieur veut se faire la malle vers l'extérieur, voilà, tout simplement. Maintenant, si ça baille sous d'autres formes, ça peut être aussi des détentes de matière parce que le tissu voilà, a perdu de la tenue à cet endroit-là et qu'il aurait fallu l'entoiler. Enfin, ça peut être plein d'autres raisons, malheureusement. Là, juste là, c'est difficile de vous aider plus. Mais oui, ça peut être une bonne… De toute façon, ça se voit tout de suite, hein, parce qu'il suffit d'aller recranter un peu plus et de voir si ça règle le problème. Si ça règle le problème, c'est que c'était ça. D'accord. Donc, tu nous conseilles d'oser, parce que c'est vrai que ça fait parfois un peu peur d'aller cranter. On se dit, mon Dieu, je vais faire le crantage de trop et ça va tout va rater. Je vais pleurer sur mon ouvrage, mais en fait, non. Non, en fait, non. Non, non, il n'y a jamais trop de crantage, il faut se dire. Le seul risque, c'est d'aller un peu trop profondément dans les crans, ça, il faut faire attention. Mais le nombre de crans, vous n'en faites jamais trop, au limite, vous n'en faites jamais assez. Enfin, le nombre de fois où je dis stop, il en faut deux fois plus que ce que tu as fait pour que ce soit joli. Oui, il en faut beaucoup et ça prend du temps. Et donc, oui. Ça sera bon plus à joli. Savoir. Question par rapport, pareil, au surjet et à la surjeteuse. Est-ce que si on a fait une couture avec la surjeteuse en surjet 4 fils, il faut dégarnir les coutures? Est-ce qu'il faut dégarnir les coutures si on a fait une couture? Alors non. Une fois que vous avez surjeté en 4 fils, mais même en 3 fils, vous dégarnir, on est bien d'accord qu'on enlève de la marge de couture, donc c'est trop tard. Une fois que vous avez surfilé, vous y touchez plus. Éventuellement, vous crantez un surfil si vous avez besoin de donner un petit peu de jeu, donc vous crantez, mais vous enlevez plus de largeur de marge de couture. Ça, c'est voilà. Soit c'est un bord comme ici qui sera plus accessible et il n'a pas besoin d'être surfilé, surjeté. Soit c'est un bord qui reste visible et dans ces cas-là, il reste surfilé pour qu'il ne s'effiloche pas dans le temps et qu'il ait de la tenue. Sur fil, c'est vraiment finition de bord, hein, donc ça doit rester une finition. Alors, un petit point sur tes outils préférés, les ciseaux orange de la marque Fiskars que tu recommandais, comment s'appelle-t-il si jamais tu te souviens ou tu as le nom en tête ou un bout du nom Alors, en fait, j'ai l'avantage que c'était Fiskars. Fiskars était notre partenaire à la sortie du livre CAP, je ne sais pas si tu te souviens, et donc il nous avait offert pour le lancement. Et donc, en fait, je ne sais pas comment c'est possible, mais tu vois, c'était juste à côté. Eva des éditions Erol m'avait donné le dernier. Et donc, il se trouve qu'il est encore emballé. Donc, en plus, je peux carrément faire la promo du produit, ce qui est juste incroyable en confinement. C'est un truc, voilà, je pense que Fiskars pourra nous remercier. Mais ouais, on les remercie. Merci encore parce qu'ils nous avaient vraiment fait des chouettes cadeaux pour la sortie du livre. Et voilà, le produit est encore emballé. Donc, je ne peux pas faire mieux que de vous dire la référence. Écoutez, voilà, il s'appelle ciseau à broder 10 cm. Voilà. Donc, vraiment très, très bien parce qu'il coupe jusqu'au bout comme des lames de rasoir. Vraiment, c'est des ciseaux super. Alors, on a fait la démonstration et tu nous montres derrière toi des robes qui ont été réalisées en tissu chaîne et trame, mais se pose la question des tissus tricotés et tout ce qui est tissu maille. Est-ce qu'on a besoin de passer par cette étape de crantage pour ces tissus-là? Est-ce qu'il y a des configurations ou certaines pièces où c'est nécessaire? Alors, en général, non. Alors, il se trouve que, décidément, je couds des trucs qui servent, mais alors là, c'est vraiment le pur hasard. Hein. Donc, ça, c'est ma création d'aujourd'hui ou d'hier, je ne sais plus, celle-ci. Je vais vous la montrer sur l'endroit, peut-être. En général, quand on fait du jersey, bah, on n'a pas vraiment d'endroit où ça justifie d'être cranté parce que, finalement, l'encolure, on est d'accord que c'est un modèle basique, mais... L'encolure, elle est montée avec ce qu'on appelle un biais jersey qui est plus court. Donc, en fait, on joue sur l'élasticité. Donc, non,
Non, là, honnêtement, je crante rien hein, dans ce genre de modèle. Après, je ne connais pas tous les modèles et tous les patrons, mais non, normalement, dans ces tissus-là, comme tout est, on joue sur l'élasticité, il n'y a pas lieu de cranter. Hein. C'est pas du tout nécessaire, où que ce soit. C'est ce qui fait l'une des facilités du jersey, et tout en étant consciente qu'il y a plein de difficultés par ailleurs. Alors, on a une question sur le rendu final de cette étape de crantage. Est-ce que... Alors, c'est, en fait, tu as peut-être un peu répondu. Bon, je la repose quand même pour être sûre de ne pas passer à côté. Cranter un surjet ne risque-t-il pas de faire des petits bouts de fil partout? Donc, c'est ce que tu disais, c'est que il n'y a pas de raison de cranter un surjet puisqu'il s'agit d'une autre finition. Je te laisse dire si je suis bien ou si je suis très mauvaise élève. Oui, c'est ça. Normalement, on ne crante pas un surjet parce qu'il n'y a pas besoin. Parce qu'en fait, dans les endroits où on a besoin de cranter, on ne fait pas de surjet parce que logiquement, c'est des endroits qui sont inaccessibles à la fin de l'opération. Typiquement, là, on est sur une encolure qui ne sera plus accessible, donc on ne fait pas de surfil puisque le bord de tissu n'est plus accessible, il n'a pas besoin d'être fini. Il y a besoin de faire une finition si le bord était accessible. Maintenant, il arrive dans certains montages que malgré tout, on vous dise de surfiler ici et du coup, il faut le cranter. Dans ces cas-là, il faut cranter. Et effectivement, le risque, c'est que votre surjet s'effiloche dans le temps et dans ces cas-là, il vaudrait mieux surjeter par-dessus l'écran. Mais bon, très honnêtement, là, on sort d'une logique très académique, à mon sens. Hein. Alors, il n'y a pas de critique par rapport à ça. C'est juste que moi, j'enseigne aussi de la couture de point de vue professionnel. Donc, après, j'entends qu'il y a des techniques de montage loisirs et il n'y a pas de souci avec ça. Mais il faut être conscient que la longévité du vêtement que vous créez, du coup, peut être un petit peu... moins longue que si on faisait avec les techniques qui le nécessitent. C'est-à-dire là, il n'y a vraiment pas besoin de surjeter le bord, en l'occurrence. Alors, on a beaucoup de... On a eu pas mal de questions sur cette thématique-là du crantage surgé. J'ai l'impression que on a répondu à la majorité des questions. Il commence à y avoir quelques questions sur d'autres. C'est vrai qu'on pourrait parler couture des heures et continuer jusqu'à 6 heures du matin. Ce serait assez drôle, une nuit comme ça, des mille et une techniques. Nuit couture. Déjà qu'on a des cernes, alors là, bonjour. C'est ça, on n'en pourrait plus. On a des têtes de zombies. Juste, je pose quand même parce que certaines ne nécessitent pas forcément de développement très très long, notamment par rapport aux cours et à la série de cours pour lesquels tu es extrêmement connue dans la communauté de couture, donc qui sont tes cours CAP que vous voyez juste à l'écran avec nous, tout notre parcours cursus pour réviser son CAP et préparer son CAP couture. La question étant la suivante, pour suivre le cours CAP d'artisane, il faut prévoir combien de temps par mois? Alors du coup, je te laisse répondre à cette question, Christine. Alors, je pense qu'il est urgent que vous alliez voir le cours gratuit qui explique le pack de préparation du CAP. Le pack CAP artisane, il est là pour des personnes qui savent déjà bien coudre et qui ont besoin de passer du cap de « je suis bonne couturière loisir et je vais devenir bonne et je vais passer mon CAP, donc il me manque les éléments de couture professionnelle ». Ce pack-là, il ne va pas vous apprendre les techniques de couture. Typiquement, là, la technique de dégarnissage dont on parle là, il n'est pas dans le pack. Le pack, il va vous expliquer comment on lit une gamme de montage, comment on fait les exercices de patronage qui sont au programme. Enfin, bref, tout ce qui manque à une bonne couturière loisir pour passer son CAP. Donc la question est difficile parce que je ne sais pas votre niveau de couture initial et donc moi ce que je peux vous dire c'est que les élèves que j'ai en formation professionnelle sur des cursus à l'année, elles ont à peu près 25 heures par mois de cours et elles ont à peu près un peu
30 à 35 heures de travail par mois à peu près, voilà, donc au total, si vous voulez. Donc, c'est pour vous donner une petite idée de ce que ça nécessite pour quelqu'un qui a un tout petit niveau de couture au démarrage. Mais après, c'est très, très variable. Il y a des personnes qui ont déjà un bon niveau de couture et qui, avec le pack CAP, je crois que le pack, il faudrait que quelqu'un recalcule le nombre d'heures de vidéos que ça représente, mais je crois que c'est une vingtaine d'heures, voilà, donc c'est une vingtaine d'heures de vidéos, donc il y a déjà les 20 heures pour visionner les vidéos, puis après pour travailler, je pense qu'il faut au moins le double ou le triple le temps de refaire les exercices, que ce soit toi avec tes cours en dessin ou moi avec les cours en patronage ou en couture, sachant qu'il y a aussi des cours qui sont plus des cours théoriques, la prise de mesure ou des sujets du type apprendre à lire une gamme de montage et apprendre à lire un cahier des charges tel que vous les avez à l'examen du CAP. Donc, c'est difficile de répondre. On avait fait avec Anne-Sara un article que j'ai publié sur mon blog sur le sujet, sur l'éventail des possibles pour préparer le CAP. Ça va de « je prends les annales des années précédentes et je m'y mets » à « je me paye une formation de 250 heures de cours en présentiel sur une année, voire sur deux années pour préparer ». C'est voilà, chacun a son niveau, son mode d'apprentissage, son niveau d'exigence, ses attentes vis-à-vis du CAP aussi. Enfin voilà, il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte. Alors, je pense qu'on va pouvoir, parce que ça fait déjà plus de 2h15 qu'on est en train de discuter ensemble et de parler de techniques de couture. Peut-être, je pense qu'on va pouvoir finir par peut-être juste parler d'un petit point qui est sur… la nuit couture à la plaire. Complètement. Un croisement multiple de couture, avoir brièvement une petite idée, c'est pour éviter les surépaisseurs, donc quand on est justement sur une croix, sur ce qu'on appelle une croix en couture, comment éviter les surépaisseurs et comment les gérer à cet endroit-là. Alors, je ne sais pas si on peut parler de ça de manière très brève. Non, il y a plusieurs. Enfin, il faut voir dans quel contexte vous le traitez. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il faut aligner les coutures et après, ça dépend beaucoup du tissu, ça dépend beaucoup de plein de choses. Il y a une technique de base pour aligner les coutures. Les notions d'épaisseur, ça va beaucoup dépendre du tissu et du contexte. Là, je peux pas traiter ça brièvement là comme ça. Je suis désolée. On refera un live sur le sujet éventuellement. C'est bien ce qui me semblait, c'est que ça ouvre des tiroirs et c'est aussi la magie de la couture. On va avoir des questions dans tous les sens en fonction des tissus et c'est souvent ça qui joue et qui fait la spécificité de choix de finition. Alors, je pense qu'on peut finir avec une dernière question qui, à mon avis, clôture bien ce sujet-là. Tu l'as déjà dit, mais c'est le moment de le redire. Et comme ça, on voit bien l'importance de cette étape. C'est si on crante trop loin, est-ce rattrapable ? Eh ben non. Ah là, je suis désolée, mais alors il y a des moments où j'ai plein d'idées, plein de solutions pour vous. Mais alors, s'il y a un truc que je ne sais pas rattraper, c'est les coups de ciseaux malencontreux. Ça, il y a un moment. Donc non, malheureusement, si vous crantez trop loin, vous crantez trop loin. Et il y a deux possibilités. Soit vous crantez jusqu'à la ligne, mais juste avant, et ça s'éraille. C'est-à-dire qu'à un moment, votre tissu va lâcher. Et le pire, c'est si vous crantez et vous coupez votre couture. Vous avez coupé votre couture, hein, donc il y a un trou à un moment. Voilà. Et donc, il y a un trou qui apparaît en live. Je vous montre le beau trou qui est apparu. Et là, malheureusement, votre marge de couture étant jusque-là, à part changer l'encolure initialement prévue et la faire un peu plus profonde en allant recoudre un peu plus loin, bon, ce qui est une solution, hein, je vous mens pas en disant que ça c'est déjà arrivé à un nombre de mes élèves. Et après, en fait, on repique un peu plus bas, là. Bon, on a changé l'encolure, hein.
pas très grave. Tant qu'on n'est pas sur le CAP et que on n'a pas à respecter exactement le patron, ça, c'est comme ça quelquefois qu'on fait des très belles créations qu'on n'avait pas prévues au départ. Mais dans l'absolu, ce n'est pas rattrapable au sens de garder l'encolure telle qu'elle était prévue au départ. Désolée, mais là, je fais beaucoup de miracles, il paraît, d'après mes élèves. Mais là, quand il y a le coup de ciseau malencontreux, non, là, j'ai plus de solution. Il y a un moment, c'est plus possible. Alors, on a beaucoup de messages sur la façon dont vous vivez cette période un peu spéciale, notamment sur vos projets couture, sur le fait que bah, vous avez plein de choses à faire et que plein de choses et de projets en cours, de belles réalisations, que vous êtes super contente de suivre ces lives qu'on artisane, nous, on peut organiser aussi bah, grâce à nos professeurs, grâce à toi, Christine Charles, qui nous a beaucoup parlé de cette technique de couture. Nous, c'est vrai qu'on est ravis ben, de savoir que vous suivez, même si on ne vous voit pas, d'avoir vos questions, vos commentaires. On serait aussi ravis ben, de continuer à voir les projets, n'est-ce pas, Christine, et les réalisations que vous avez le temps d'effectuer, peut-être un peu plus que d'habitude, durant cette période. Donc, n'oubliez surtout pas, si vous partagez sur les réseaux sociaux, ben, de nous taguer, que ce soit Artisane ou toi, Christine. Et comme ça, on peut voir tout ce que vous faites et ça nous fait hyper, hyper plaisir. Ça peut être vos petits crantages, des garnissages, vos encolures merveilleusement rondes et vos beaux arrondis. Je pense qu'on va bientôt pouvoir clore ce court vidéo organisé ce soir, sachant que nous, on a prévu d'en faire d'autres. Et avant ça, je voulais vous parler, parce que exceptionnellement, c'est à vrai dire tout à fait exceptionnel, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire des réductions aussi importantes, mais on en profite. Parce que justement, vous cousez beaucoup, vous avez besoin de toutes les techniques dont parle Christine dans ses cours, avec le code Christine2020, si je ne me trompe pas, je l'ai sous les yeux. Voilà, on l'a mis en place, vous pouvez l'utiliser dès à présent. Vous avez 20% donc, sur tous les cours de Christine, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Donc, c'est vraiment exceptionnel, n'hésitez pas. Et c'est jusqu'à dimanche, on me rappelle. On a fait déjà, c'est déjà notre troisième cours vidéo masterclass du soir que tu animes, Christine. On en a prévu d'autres, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter puisqu'on vous met tout le programme. On le met aussi via les réseaux sociaux. Christine, toi, on prévoit déjà d'en refaire un autre. Sur une autre thématique complètement différente, où là, cette fois-ci, il y aura, si je ne me trompe pas, peut-être un peu plus de pas à pas, de montage. Ce sera un peu lié au CAP, notamment avec la lecture de gamme de montage. Est-ce que tu es bien d'accord avec ce que je raconte? Oui, on n'a pas encore complètement calé, donc j'en dirai pas plus. Mais voilà, effectivement, il y a un sujet autour du CAP qui se discute encore sous le manteau, mais qui ne va pas tarder à sortir du manteau. Voilà, évidemment, ce cours vidéo, vous pouvez le regarder en replay pendant toute la période du confinement sur Facebook et YouTube, donc de manière intégrale, que ce soit la présentation de Christine, toutes les questions et puis l'extrait vidéo sur le crantage et dégarnissage qui provient du cours 1001 techniques le niveau 1, oui c'est ça. Nous on était ravis que vous soyez aussi nombreux et nombreuses à nous suivre. On est toujours ravis de découvrir vos réalisations. Et je pense qu'on va pouvoir se dire au revoir. Alors il se trouve que là derrière nos écrans, on est plusieurs. Il y a donc Christine Charles,
juste ici. Alban, qui est le réalisateur et qui coordonne donc toutes nos caméras et toutes nos installations lumière, parfois un petit peu folklorique. Là, j'ai mon énorme spot devant les yeux. Je ne sais pas ce qu'il en est, toi, Christine, de ton installation lumière, comment tu t'es débrouillée, mais c'est assez rigolo. Ce n'est pas pareil que d'habitude, beaucoup moins professionnel, mais ça fonctionne bien, finalement. Et puis, on a aussi les personnes donc Anne-Sara et Armel qui travaillent aussi sur les questions et qui nous retransmettent les questions pour que tout ça soit le plus fluide possible et qu'on puisse passer de bons moments de couture, même si on est tous chez nous en ce moment. Donc, je pense qu'on va pouvoir se dire au revoir. Christine, tu as quelques mots à adresser à tes élèves, à toutes celles qui te suivent, celles qui te connaissent déjà bien et celles qui te découvrent, puisque c'est aussi l'occasion de découvrir tes cours, de découvrir Artesane et de découvrir tes techniques et ta façon d'enseigner. Je te laisse la parole. Merci. Bah, déjà, pour vous dire que c'était vraiment un plaisir de retrouver un espèce de semblant de cours. C'est vrai que d'habitude, j'ai 20 heures de cours par semaine avec plein d'élèves et là, tout d'un coup, j'ai plus personne. Donc, ça fait un peu bizarre, même si on a encore nos élèves à distance pour la préparation du CAP, ça fait pas tout à fait le même effet. Donc, j'étais ravie de partager ce moment de couture avec toutes celles qui me connaissent, enfin, toutes celles et ceux qui me connaissent, de peut-être faire découvrir à d'autres personnes, effectivement, mon type d'enseignement et ce que j'aime partager. Écoutez, je crois que Artesane vous fait un super cadeau pour ces cours que j'anime. Donc, n'hésitez pas à les découvrir, c'est peut-être l'occasion. Et en tout cas, avec grand plaisir pour recommencer un autre live dans pas très longtemps, j'imagine. Et donc, en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Restez chez vous et puis à très vite.